Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, présentation d'un exercice de renforcement musculaire pour maintenir une activité physique pendant ce confinement. L'exercice de renforcement musculaire que je vais vous présenter va renforcer votre dos. Pourquoi le dos? Pour vous permettre de protéger votre colonne vertébrale dans un premier temps, et dans un deuxième temps pour vous permettre de réaliser des gestes de la vie quotidienne avec plus de facilité, avec plus de souplesse, plus de force, et puis sans douleur, sans vous blesser. Avant de débuter l'exercice, quelques consignes de sécurité que vous pouvez effectuer en amont ou pendant la séance. Dans un premier temps, pensez à bien vous échauffer, je ne vais pas le présenter aujourd'hui. Mais on n'oublie pas un échauffement articulaire pour toutes les articulations et un échauffement un peu plus dynamique pour le côté musculaire et puis cardiaque. Durant la séance, on n'oublie pas de s'hydrater très souvent et puis de garder un moyen de communication comme un téléphone portable ou une chaise à proximité. Dernière consigne, on n'oublie pas d'effectuer cet exercice physique dans une pièce qui est plutôt ventilée avec une température modérée. Vous allez avoir besoin d'un tapis pour réaliser cet exercice, et puis d'une chaise pour vous relever si besoin. Pour réaliser cet exercice de renforcement musculaire, allongez-vous sur le ventre, sur votre tapis. Une fois allongé par terre, posez le front contre le dos des mains en gardant la courbure naturelle de la nuque. Montez le haut du buste de quelques centimètres seulement en décollant la poitrine et les épaules du sol, grâce à une contraction des muscles lombaires et abdominaux. Les fessiers et les cuisses sont également contractés pour soulever les pieds et les genoux. Revenez en position initiale en relâchant le buste et les jambes. Au niveau respiration, inspirez lors de la phase de montée et expirez lors de la phase de retour. Quelques éléments de sécurité, gardez la tête dans l'alignement du corps, restez sur une amplitude du mouvement acceptable et accompagnez bien le mouvement avec la respiration. Si cet exercice est trop dur pour vous, vous pouvez réaliser seulement une montée du buste sans engager les jambes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Si au contraire cet exercice est trop facile pour vous, une variante plus difficile consiste à mettre les mains sur le côté du corps en version parachute afin de renforcer également le haut du dos en pensant à rapprocher les deux omoplates. L'objectif de cet exercice de renforcement musculaire, qui cible à la fois le dos mais également toute la chaîne abdominale et puis lombaire, va être de protéger votre dos en le renforçant, mais également en lui permettant de réaliser des gestes de façon plus souple, avec plus de mobilité. J'espère que cette vidéo vous a été utile. En tout cas, n'oubliez pas qu'un grand nombre de conseils pour l'activité physique pour les seniors se trouvent sur le site internet Été Indien. Donc n'hésitez pas à consulter le site. Bon courage, à très bientôt.